Salut à tous les amis, c'est Guillaume. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de l'atelier. Comme vous voyez, je suis dans mon atelier. On va essayer de terminer l'établi mobile que j'ai commencé il y a déjà deux vidéos en arrière. Donc dans cet épisode, je vais vous montrer comment faire le plan de travail, les tiroirs et peut-être la mise en peinture, mais c'est pas sûr. Donc on va déjà se concentrer sur le plan de travail et sur les tiroirs. Allez, c'est parti, let's go les amis, on se retrouve à la fin de la vidéo. Thank you.
Quasiment terminé, il me reste juste le rayon tout en bas à faire, à poncer, à peindre, et puis après bah, il n'y aura plus qu'à bricoler, hein. Et franchement c'est loin d'être parfait, pardon,
C'est loin d'être parfait. Mais moi, ça me convient pour faire du modélisme ou pour bricoler. Ça me permet d'emmener ma scie à anglais un peu partout. Si j'ai besoin de me trimballer avec ma scie anglais, je la pose dessus, je l'emmène. Basta. Et il n'y a plus qu'à travailler. Voilà. Je pense que dans les prochaines vidéos, il va falloir que je le redémonte complètement pour le peindre. Parce que je vais le peindre au pistolet. Donc ça, on y fera dans la prochaine vidéo. Et puis après, il ne me restera plus que l'aménagement des tiroirs à faire. Hop, voilà. L'aménagement des grands tiroirs, franchement, c'est nickel. Ça va me faire vraiment des grands tiroirs pour pouvoir ranger mes outils de modélisme. Allez, sur ce, moi je vous dis, n'hésitez pas à aimer, liker, partager. On se retrouve bientôt pour une autre vidéo atelier. C'était Guillaume. Salut, salut.